Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency, the Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, Heads of States and Government, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency President Mahmoud Abbas, who sends you his warmest greetings and wishes you success at this distinguished assembly, I'm deeply honored to deliver the speech of the State of Palestine. It gives me great pleasure to congratulate the Republic of Senegal and His Excellency President Macky Sall on assuming the presidency of the current session of the African Union. We wish him every success. We also extend our gratitude to the Democratic Republic of Congo and President Felix for the presidency of the previous African Union session. This year's summit is being held under the increasingly important theme, Building Resilience for Food Security and Nutrition on the African Continent. Accelerate the human capital, social and economic development. Despite the many challenges the State of Palestine faces, our people assure you that we stand with you in achieving your priorities to the best of our ability, expertise and competences. In 2013, this auspicious body opened its arms for the Palestinian people and embraced the State of Palestine as an observer state within your Assembly of States, a show of solidarity with us in our over seven decades of long struggle to liberate ourselves from the yoke of settler colonialism and military occupation. Of course, the people on the continent of Africa know only too well the devastation and dehumanization that are the hallmarks of colonialism and related system of institutionalized racial discrimination. Your Excellencies, I'm sorry to report to you that the situation of the Palestinian people has only grown more precarious. A few days ago, Amnesty International published a report confirming that Israel is not only guilty for denying Palestinians our human rights, but that Israel is also committing the most grave crimes, the crime of apartheid. From the report, I quote, almost all of Israel's civilian administration and military authorities, as well as the governmental and quasi-governmental institutions, are involved in the enforcement of the system of apartheid against Palestinians across Israel and in the occupied Palestinian territory, and against Palestinian refugees and their descendants outside of Palestine. The patterns prescribed acts perpetuated by Israel, both inside Israel and in the occupied territory, form a part of a systematic as well as a widespread attack directed against Palestinian population, and that the inhuman and humane acts committed within the context of this attack have been committed within the intention to maintain the system and amount to the crime against the humanity of apartheid under both the Apartheid Convention and the Rome Statute. Israel has created in its maintaining a system of oppression, domination of the Palestinians through four main strategies. One, deprivation of economic and social rights. Second, segregation and control. Third, dispossession of land and property. Fourth, fragmentation into domains of control. Your Excellencies, a Human Rights Watch Foundation last year also stated that Israeli authorities had crossed the threshold by committing crimes of apartheid and persecution. Across the Palestinian territories under its control, Israel has demonstrated intent to maintain the domination of Jewish Israelis over Palestinians. In conjunction with that intention, Palestinians have been subjected to systematic of oppression and inhumane
treatment. Together, these three elements constitute apartheid. When he was Israel's Prime Minister, Benjamin Netanyahu said in 2019, Israel is not a state of all its citizens, the nation of the state of the Jewish people only. Currently, 2 million Palestinians live in Israel, are discriminated against. 3 million Palestinians in the West Bank live under direct Israeli settler colonialism. And 2 million Palestinians who live in Gaza have been put under siege for the last 14 years. Nearly 7 million Palestinian refugees suffer from Israeli racist policies that deny them the right to return to their homes. Your Excellencies, Beth Salem, an Israeli Information Center for Human Rights, asserted that Israel is an apartheid state. It concluded that the Israeli regime enacts in all the territories under its control, inside the Green Line, East Jerusalem, and the West Bank, including Gaza, an apartheid regime. One organizing principle lies at the base of the wide array of Israeli policies, advancing and perpetuating the supremacy of one group, the Israelis, over another, the Palestinians. Based on these invulnerable facts documented by neutral bodies, Israel should not be rewarded for the Israel be rewarded for its adoption of apartheid, which targets the Palestinian with discrimination policies related to land, planning and housing, and hindering agriculture and industrial development for the Palestinians. Mr. Chairman, Israel should not be rewarded for deepening this fracture following its military occupation of the Palestinian territory, including Jerusalem and the Gaza Strip in 1967, which has led to the establishment of a military system and separation of legal and administrative system to govern the occupied Palestinian territory that has resulted in the displacement of hundreds of thousands of Palestinians. In Israel today, we have no partners for peace. We have a government that is only advocating settler colonialism and apartheid policies. Excellencies, Israel, the occupying power, should not be rewarded for its unlawful killings, torture, administrative detention, persecution, severe injuries inflicted upon the defenseless Palestinian people and depriving them from their freedoms. Israel should not be rewarded for illegally constructing 280 colonial settlements in the West Bank, inhabiting by more than 700,000 Jewish settlers. Israel should not be rewarded for unilaterally annexing East Jerusalem and pursuing measures to continue to change the status of the demographic composition of the Palestinian territories. Israel should not be rewarded for building the annexation and the expansion wall on the Palestinian occupied territory, deemed illegal by the International Court of Justice. Israel should not be rewarded for its crimes, including the ongoing siege, bombardment, killings, targeting civilians, and destroying infrastructure in the Gaza Strip in flagrant violation of international law. Additionally, Mr. Chairman, Israel should not be rewarded for the imposition of movement of restrictions and the closures of the Gaza Strip, the confiscation of land, the creation of isolated besieged enclaves of Bantustans in the West Bank, including East Jerusalem, the forcible transfer and displacement of Palestinians, the violation of residency of civil rights, as well as depriving refugees from their rights. Mr. Chairman, today Israel treats the Palestinians as the hewers of wood and the drawers of water. This should stop. Our faith lies in your alignment with principles of truth, freedom, and peace and justice. We are confident in your willingness to support the Palestinian people under Israel's prolonged occupation. Israel should never be rewarded for its violation and for the apartheid regime it does impose on the Palestinian people. As an entity, Israel has progressed from extremism to militarism to colonial expansion. This must stop. Based on your historic stand and your support for the Palestinian right,
and bear relevant decisions of the United Nations and previous African Union assemblies, we call for the withdrawal and objection of Israeli observer status at the African Union. We believe that granting Israel observer status at the African Union is undeserved reward. This actually a reward that encourages Israel to continue violating international treaties, breaching all agreements with us. With this reward, it gains impunity and accountability. I am confident in your inner wisdom and judgment. The African Union has constantly resisted colonialism and apartheid. It has continued, rejected, and condemned Israeli discriminatory policies and practices. The time is right to condemn Israel for its crimes of persecution and apartheid, to end Israeli colonial occupation and enable the Palestinian people to have their right to self-determination towards realization and independence of a state of Palestine on the borders of 4th of June 1967 with East Jerusalem as the capital, and to allow the return of the Palestinian refugees. Mr. President, Your Excellencies, I stand before you today to affirm our position, vision, and peace initiative announced by His Excellency President Mahmoud Abbas during his speech before the United Nations General Assembly on 24th of September 2021. In his speech, our president called for launching political negotiations under the sole auspices of the Quartet based on international legitimacy and the Arab Peace Initiative, leading to a just and comprehensive solution for the question of Palestine, to end Israeli occupation of our land and people toward the independent state of Palestine on the border of June 4, 1967, with East Jerusalem as its capital. Let me close by wishing you a successful and fruitful summit. We hope that Africa, its countries, and the people will achieve their aspirations for prosperity based on comprehensive sustainable growth, integration and political unity, good governance, democracy, human rights, and the rule of law. We hope for the peaceful and secure Africa where development prevails and exists and is shaped by the abilities of women and youth, helping to make Africa a strong, influential player in the international arena. We wish the Republic of Ethiopia security and stability. Long live Africa with its friendship with Palestine. Thank you and God bless you. Thank you, Your Excellence, for your statement. Excellencies, ladies and gentlemen, I now have the honor to invite His Excellence, Mr. Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo and Chairperson of the African Union, to deliver his opening statement. Your Excellence, sir. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, distingués participants et invités, Mesdames et Messieurs, nos retrouvailles ici, au centre de conférence de l'Union africaine et dans la salle mythique Nelson Mandela, sont un motif réel de satisfaction et d'encouragement, car cela fait 2 ans, jour pour jour, que la pandémie de la COVID-19, cette peste du XXIe siècle qui secoue l'humanité, nous empêche de nous réunir en présentiel. Elles permettent d'espérer davantage un retour à la vie normale dans nos pays, et ce, grâce au génie
de nos scientifiques et aux efforts communs de nos États dans un élan de solidarité internationale remarquable. Nous devons accroître ces efforts et renforcer cet élan de solidarité pour vaincre définitivement la pandémie de coronavirus, relancer la croissance de nos économies et assurer un meilleur avenir aux populations de notre planète. Mais en liminaire, puisque nous voici encore à l'aube de la présente année 2022, permettez-moi de formuler à notre organisation, à toutes les Africaines et à tous les Africains, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, des vœux ardents de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité et d'une coopération renouvelée et fructueuse. Excellences, mesdames et messieurs, vous aurez certainement constaté que cette session nous impose un ordre du jour important et surchargé que nous devons épuiser en 2 jours. Cela nécessite une forte concentration de nos efforts sur les questions essentielles du moment afin de permettre à l'Union africaine de jouer pleinement son rôle dans la recherche des solutions aux défis et aux problèmes les plus critiques auxquels sont confrontés les peuples d'Afrique. Tout à l'heure, au moment de la passation des charges, je vous rendrai dûment compte de ce que j'ai fait durant mon mandat comme président en exercice de l'Union africaine, mais souffrez que je puisse terminer ce propos préliminaire en disant « Je déclare ouverte la 35e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine et tout en vous remerciant, je souhaite plein succès à nos travaux. Merci. Thank you, Your Excellence. Next is the announcement of the Bureau of the Assembly by the overall Dean of Ambassadors, Ambassador Yusuf from Comoros. I now hand over to His Excellence, the Chairperson of the African Union, to guide the process. Thank you, sir. J'annonce l'avenue du doyen du corps diplomatique pour la présentation du bureau. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, j'ai l'insigne honneur de vous présenter la composition du nouveau bureau de la Conférence de l'Union africaine pour l'année en cours. Après de riches consultations, le bureau se dresse ainsi. Président, la République du Sénégal. Premier vice-président, les consultations sont en cours. Rapporteur, la République démocratique du Congo. Deuxième vice-président, la République de la Libye.
troisième vice-président, la République d'Angola. Voilà, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, la composition du nouveau bureau de la conférence, et vous prie de prendre acte. Je vous remercie. Voilà. Pour la première vice-présidence, la région de l'Est est en consultation pour le moment. Et le moment venu, ils nous communiqueront leur décision. Nous prenons donc acte de la composition du bureau. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, distingués participants et invités, Mesdames et Messieurs, il y a un an, vous avez bien voulu confier à la République démocratique du Congo, à travers ma personne, la présidence de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de gratitude que je me présente devant notre haute instance et, à travers elle, devant l'ensemble des populations africaines pour rendre compte de l'accomplissement de la mission qui m'avait été confiée. Au seuil de cette mandature, il m'a fallu, comme pour mon prédécesseur, le président Cyril Ramaphosa, accorder d'abord une priorité absolue à la lutte contre la pandémie de COVID-19 et à sa cohorte de variants. Des avancées remarquables ont été réalisées. C'est le lieu ici de saluer tous les efforts fournis et poursuivis par le président Cyril Ramaphosa, champion de l'Union africaine, pour le rôle important qu'il a joué dans le processus d'acquisition des vaccins, plus particulièrement dans la promotion de leur production sur le continent. C'est aussi le moment d'honorer le combat du CDC Afrique, sous le leadership de son directeur général, le docteur John Kengasong, ainsi que celui de tout le corps soignant du continent. Il demeure à présent urgent de procéder à l'autonomisation fonctionnelle de Africa CDC et à la mise en place effective de l'Agence africaine des médicaments. Pour illustrer cette autonomisation, il y a lieu de rappeler qu'en République démocratique du Congo, la lutte contre la pandémie a été marquée par la mise au point d'un produit dénommé Dubase C par un groupe de scientifiques congolais de renom. C'est une molécule à base de plantes médicinales congolaises homologuée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle. L'Afrique devrait encourager tous ces scientifiques à mutualiser leurs efforts dans la poursuite de la lutte contre ce fléau. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année a été une grande année de la culture. La charte de la renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021
permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. Pour aller plus loin, il serait sans doute opportun que notre organisation décrète une décennie consacrée à la valorisation de la culture africaine pour donner une impulsion décisive à la renaissance africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, instituée par l'UNESCO en 2019, a été célébrée officiellement et pour la première fois par l'Union africaine le 24 janvier dernier par des manifestations que j'ai présidées à Kinshasa en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine. À l'occasion, il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La création d'un grand prix panafricain de littérature consacré aux œuvres littéraires suivant notre vision propre, résolument panafricaine, constitue un événement majeur. Porté par un jury prestigieux de 10 personnalités africaines du monde des lettres, il vient d'être décerné pour la première fois à une écrivaine camerounaise, Oswald Lewat, pour son roman « Les Aquatiques ». Je voudrais ici remercier ce grand jury pour son dévouement et son professionnalisme et présenter par ailleurs mes vives félicitations à la lauréate. Vous m'autoriserez, Excellence, à remettre solennellement son prix à l'intéressé à la fin de mon propos, en signe de notre hommage commun à la créativité africaine. Et comme pour couronner le tout, on ne peut passer sous silence la récente inscription de la rumba congolaise sur la liste des éléments du patrimoine immatériel mondial, de même que celle du tiéboudienne, irrésistible plat sénégalais aux riches couleurs, senteurs et saveurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, faire taire les armes sur le continent demeure un impératif vital. Mais il nous faut réellement passer de la parole à l'acte. Il est grand temps de consolider l'architecture africaine de la paix et de la sécurité et d'assurer l'opérationnalisation générale et totale de la force africaine en attente. Il est impérieux d'arriver à mettre en place un véritable état-major intégré, comme le préconisait déjà Kwame Nkrumah, l'un des illustres pères fondateurs de notre organisation panafricaine. Dès le début de mon mandat, j'ai eu à relancer la dynamique des négociations tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République démocratique fédérale d'Éthiopie et la République du Soudan pour rechercher une solution constructive et durable autour du différent. D'ailleurs, dans des situations de guerre et de conflits aigus qui ne cessent de menacer la paix sur le continent,
les femmes et les enfants figurent parmi les grandes victimes, notamment du fait des viols et des violences sexuelles basées sur le genre catalogue. Face à ce fléau, des concertations de femmes provenant de toutes les régions du continent ont été organisées à Kinshasa, de même que des formations de femmes médiatrices de la paix. Il s'est tenu également à Kinshasa en novembre 2021 une conférence des hommes. On a un petit problème de liaison avec Addis Abeba qui va se régler d'un moment à l'autre. Mais en attendant, nous venons de suivre les grandes lignes du discours bilan du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, qui va bientôt passer le flambeau au Sénégalais Macky Sall, son homologue sénégalais, jusqu'à Kousséma. Le volet culture nous a beaucoup plus intéressés avec des réalisations palpables. Le chef de l'État a parlé de la rumba. Le chef de l'État a parlé du poula sénégalais et plusieurs activités organisées autour de la culture à Kinshasa, notamment le Grand Prix de littérature. Parce que la culture faisait partie du thème de sa mandature et que plusieurs actions ont été posées dans ce sens, d'autres qui rentrent désormais dans la tradition. Elle a tenu à encourager tous les pays africains au lancement officiel et effectif de la campagne Tolérance zéro immédiate contre les crimes de violence sexuelle et violence basée sur le genre. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à la multiplication des actes d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles, il convient de rappeler avec insistance que l'acte constitutif de l'Union africaine en son article 4, condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cependant, après plusieurs décennies d'une mise en œuvre devenue tourmentée, il devient impératif de réfléchir et d'évaluer les principes, règles et mécanismes de notre déclaration adoptée à Lomé en 2000, sur les changements anticonstitutionnels des pouvoirs. Il nous faut en particulier songer à une meilleure harmonisation des approches de nos communautés économiques régionales et leur synergie avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que la Commission. De même, il convient de renforcer et d'intérioriser les instruments continentaux et régionaux de la bonne gouvernance, telle que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ils sont autant de moyens de prévention de violences de toutes sortes. Dans ce contexte de la bonne gouvernance, souci des liaisons jusqu'à Kousséma, c'est vraiment l'essentiel du discours du président de la République qui est passé de la culture à la politique et la situation sécuritaire en Afrique, parce que d'aucuns pensaient que cela l'intéressait moins. Là, il vient de rappeler à l'ordre certaines dispositions contenues dans la charte. Exactement, notamment cette condamnation des coups d'État, il faut le citer comme ça. Le président de la République a encore une fois de plus pris son courage de le dire du haut de la tribune, qu'il condamne fermement tous ces coups d'État qui arrivent et il les dit devant tous ses pairs. Et c'est un courage politique que de pouvoir prendre ces genres de positions. Et pas seulement ça, il donne même de projections, notamment des pistes de chacun de nos États, d'une part, et des instances compétente de l'Union africaine d'autre part. C'est dans ce cadre que Kinshasa a accueilli en octobre 2021 le premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme.
Excellences, mesdames et messieurs, investir dans le développement durable et équitable dans le contexte post-Covid revient à parier sur la capacité de l'Afrique à fabriquer des produits innovants en sciences, en technologie, en économie numérique, en économie verte, etc. Ils sont prêts, nos jeunes, à se positionner comme acteurs incontournables dans tous les secteurs de la mondialisation et de la globalisation, notamment par l'accès au crédit jeune et par la multiplication des parcs. Et voilà, le chef de l'État est allé encore plus loin, parlant de la situation sécuritaire. Il parle d'une meilleure approche, une harmonisation entre l'Union africaine, mais aussi d'autres organisations sous-régionales dans la coordination des actions. C'est dire toute la faiblesse qu'il y a au niveau de certaines organisations sous-régionales. Nous l'avons dit en début de ce reportage. Donc, ce qui se passe, la CEDEAO devait repenser sa manière de gérer les États qui sont membres. En fait, c'est cela. C'est ce que ça veut dire en français facile. Donc, la CEDEAO devait prendre exemple sur la SADC, la CIAC et les autres structures. Et dans un contexte comme celui-ci, des discours bilan, on ne se limite pas seulement à énumérer ses réalisations. Enfin, le chef de l'État l'a fait. L'objectif primordial d'accélération de la construction du grand barrage d'Inga comme vecteur d'intégration régionale, d'industrialisation et de renaissance africaine. En ce qui concerne les défis existentiels du changement climatique qui menacent l'avenir de l'humanité et même de l'espèce humaine, l'Afrique, qui possède le deuxième poumon du monde par le bassin du Congo, est prête à offrir des solutions de survie collective à l'humanité, mais à la condition que le monde accepte d'en payer aussi le prix. Tel est, entre autres, le message que j'ai eu à porter. Je me suis efforcé, en effet, à développer dans ma fonction de représentant et porte-parole de notre organisation, avec l'appui de l'ensemble du bureau de la conférence et du président de la commission, une diplomatie de présence active de l'accomplissement de la visibilité et de la promotion des intérêts légitimes de l'Afrique au sein de plusieurs enceintes internationales et dans les rencontres avec nos partenaires stratégiques. À cet égard, permettez-moi de souligner que les relations du continent avec ses partenaires extérieurs devraient toujours répondre à certaines exigences existentielles essentielles, à savoir préserver le respect mutuel et éviter les ingérences intempestives dans les affaires intérieures de nos États, avec parfois comme corollaire des sanctions injustes imposées contre certains de nos États, ici par exemple contre la République du Zimbabwe. Je souhaite la levée de ces sanctions contre ce pays frère, dont les effets pervers sont nocifs à l'économie et au bien-être du peuple frère zimbabwéen. Excellences, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois remercier l'Afrique, remercier notre auguste Assemblée pour la confiance placée dans mon pays. Soyez-en assurés, à travers cette mandature, la RDC, République démocratique du Congo, a pleinement repris conscience de sa vocation historique de creuset de l'union et de l'unité africaine. La République démocratique du Congo entend continuer à assumer ce rôle sans désemparer. Je souhaite plein succès à mon successeur, mon frère Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Que Dieu bénisse et protège l'Afrique. Mungu amibariki. Many thanks. Shukran. Muito obrigado. Muchas gracias. Aksanti. Thank you, Your Excellence. I now invite His Excellence, Mr. Macky Sall, President of the Republic of Senegal, to the podium for the handover ceremony. Excellences, Mesdames, Messieurs, avant la photo de famille, le président sortant de l'Union souhaiterait remettre un prix tel qu'annoncé dans son discours bilan. Monsieur le Président, vous avez la parole.
I now invite His Excellency, Mr. Macky Sall, President of the Republic of Senegal and Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance statement. Your Excellency, sir. Voilà. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers collègues, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice sortant, Madame le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, en votre nom et au mien propre, je tiens d'abord à remercier le gouvernement et le peuple éthiopien pour l'accueil convivial et l'hospitalité généreuse qu'ils nous réservent. Une fois de plus, dans la cité légendaire d'Addis Abeba, berceau de notre rêve de liberté et d'unité africaine. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent à la confiance dont vous venez de m'investir, ensemble avec les membres du bureau, pour conduire les destinées de notre organisation pendant un an. Je vous en remercie et vous assure de notre engagement à travailler de concert avec tous les pays membres dans l'exercice de notre mandat. Je rends hommage au père fondateur de l'organisation. 6 décennies après, leur vision lumineuse continue d'inspirer notre vivre ensemble et d'éclairer notre marche solidaire vers l'idéal d'intégration africaine. C'est justement dans cet esprit panafricaniste que le président Léopold Sédar Senghor avait proposé au sommet de l'OUA de juillet 1964 d'instituer une autorité politique et morale permanente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour donner une impulsion de haut niveau à la conduite des affaires continentales. C'est ainsi qu'est née la charge de président en exercice de notre organisation. Charge dont le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est acquitté avec constance et dévouement. Merci, cher Félix, pour les efforts considérables que tu as consacrés au service de notre continent. Alors que notre Union célèbre son 20e anniversaire cette année, nous pouvons être fiers des progrès accomplis dans le cadre d'initiatives majeures telles que le NEPAD, le PIDA, le MAEP, la Vision 2063, la réforme institutionnelle, la Grande Muraille Verte, l'ASLECAF et plus récemment notre riposte coordonnée contre la pandémie COVID-19. En même temps, nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres,
et la prise en charge des situations de crise intérieure. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. J'appelle, chers collègues, à un examen de conscience pour réaliser la paix de Brave, afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Il en est ainsi de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 et la nécessité d'assurer au plus vite notre souveraineté pharmaceutique et médicale. Je remercie vivement le président Cyril Ramaphosa qui, avec l'appui de la Commission et de Africa CDC, s'est beaucoup investi dans la riposte anti-Covid, aussi bien pour l'accès aux vaccins que pour sa production en Afrique. À l'épreuve de la crise, tout un écosystème de produits hygiéniques, pharmaceutiques et médicaux a vu le jour sur le continent. La production de vaccins est déjà en cours dans certains pays et d'autres vont suivre. Au-delà de la riposte anti-Covid, il serait donc indiqué de maintenir cette nouvelle dynamique en gardant les questions de santé au cœur de notre agenda, afin de soutenir l'émergence d'une industrie pharmaceutique africaine capable de satisfaire nos besoins essentiels et faire face à des pandémies comme le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme. J'attire également l'attention de notre sommet sur les ravages du cancer, un tueur silencieux qui cause près de 20 millions de décès par an dans le monde, dont plus de 700 000 en Afrique. S'y ajoute que 40% de nos pays ne disposent d'aucune unité de traitement par radiothérapie. En réponse à cette situation préoccupante, l'Agence internationale de l'énergie atomique a lancé l'initiative Rays of Hope, rayons de l'espoir, afin de soutenir les capacités des États, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, grâce aux technologies nucléaires, à l'imagerie médicale, à la médecine nucléaire et à la radiothérapie. J'encourage vivement nos pays à appuyer la campagne Rays of Hope de l'AIEA qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063. Nos urgences sont aussi économiques. L'Afrique continue d'accuser du retard dans le domaine du développement, malgré ses énormes potentialités. 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants, d'importantes réserves en eau, en hydrocarbures, 60% des terres arables, 40% des réserves d'or, 85 à 95% des réserves des métaux, du groupe du chrome et du platine, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves mondiales de bauxite. C'est dire qu'en dépit de ces handicaps, l'Afrique dispose du potentiel nécessaire pour assurer les conditions de son émergence. Du reste, dans sa grande majorité, notre continent progresse. Les gouvernements sont à la tâche
Il y a une jeunesse créative qui entreprend et réussit. Des millions d'hommes et de femmes travaillent, investissent et créent de la richesse. Toutes ces énergies positives contribuent à la transformation structurelle du continent en faisant émerger l'Afrique des infrastructures modernes, routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, mais aussi l'Afrique des centrales électriques, de l'agrobusiness, des plateformes industrielles et numériques. C'est justement dans l'esprit de cette Afrique sur la voie de l'émergence que s'inscrit le thème de notre sommet, sur proposition pertinente du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain. Accélérer le capital humain et le développement social et économique. Ce thème nous rappelle l'urgence de réaliser notre souveraineté alimentaire en produisant plus et mieux dans l'agriculture, l'élevage et la pêche par la modernisation de nos outils et méthodes de production, de conservation et de transformation. L'amélioration des intrants, la maîtrise de l'eau, le développement des chaînes de valeur et la facilitation de l'accès au marché. L'Afrique émergente doit aussi compter sur ses forces vives, les jeunes et les femmes. Les jeunes doivent rester au centre de nos politiques publiques parce qu'ils forment la majorité de notre population et que nous ne pourrons tirer avantage du dividende démographique que si notre jeunesse reçoit l'éducation et la formation adéquate qui la prépare à la vie active. La condition féminine nous interpelle parce que les femmes constituent l'autre moitié du continent. L'Afrique ne peut se développer quand des millions de femmes et de filles continuent de subir des traitements violents, inégalitaires, discriminatoires. J'appelle à une plus grande mobilisation du continent, des pouvoirs publics, des leaders d'opinion, de la société civile, des familles et des communautés contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles et pour leur autonomisation. C'est une condition essentielle du progrès de notre continent et de notre bien-être collectif. Chers collègues, mesdames et messieurs, si le destin de notre continent se joue entre nos mains, il reste aussi tributaire d'une gouvernance politique, économique et financière mondiale qui fait peu de place à nos pays. En votre nom, je poursuivrai notre plaidoyer pour un multilatéralisme plus ouvert, plus transparent et plus inclusif, à commencer par une représentation plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus des ONU. Je souhaite également que nous portions davantage nos efforts sur la réforme de la gouvernance économique et financière internationale pour un meilleur accès de nos pays aux sources de financement du développement. Nos économies sont sous-financées parce que des règles et procédures rigides entravent l'accès de nos pays à des prêts consistants de longue durée et à des taux supportables pour le financement de leurs besoins de développement. Nos économies sont ainsi mal financées parce qu'elles continuent de payer des taux d'intérêt trop élevés à cause d'un système inéquitable d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. À titre d'exemple,
en 2020, alors que le monde entier subissait de plein fouet l'impact de la COVID-19, 18 des 32 pays africains évalués par au moins une des grandes agences d'évaluation ont vu leur notation dégradée, soit 56% contre une moyenne mondiale de 31%. D'autre part, des études montrent qu'au moins 20% des paramètres de notation de nos pays dépendent de facteurs plutôt subjectifs, par exemple d'ordre culturel ou linguistique, donc sans relation avec les fondamentaux qui déterminent la stabilité d'une économie. Tout cela fait que la perception du risque d'investissement en Afrique reste toujours plus élevée que le risque réel, ce qui renchérit les primes d'assurance, rend le crédit plus cher et pénalise ainsi la compétitivité de nos économies. Avec le soutien de la Commission, il me paraît nécessaire de mettre en place une task force de l'Union pour étudier plus en avant la problématique du financement de nos économies, y compris par la réforme des règles de l'OCDE y afférentes, mais également la création d'une agence panafricaine de notation et la mise en place d'un mécanisme de stabilité financière sur lequel la Banque africaine de développement travaille déjà. D'autres efforts pourraient davantage porter sur l'harmonisation de nos législations nationales et l'échange de meilleures pratiques dans l'industrie minière et dans l'industrie du pétrole pour une juste rémunération de nos ressources. Ces chantiers pourraient certes prendre du temps, mais il me semble nécessaire de passer des revendications aux actes en jetant les fondements de leur construction. Dans l'immédiat, je poursuivrai notre plaidoyer pour la réallocation des droits de tirage spéciaux avec l'émission historique de DTS à hauteur de 650 milliards de dollars. L'Afrique a pu disposer de son quota de 33 milliards pour renforcer sa résilience. C'est certes un acquis considérable, mais au regard de l'impact profond de la crise, l'Afrique a besoin d'un financement additionnel d'au moins 252 milliards de dollars d'ici 2025 pour contenir le choc et amorcer sa relance économique. En conséquence, je poursuivrai notre plaidoyer pour la réallocation en faveur des pays africains selon des modalités à convenir de 100 milliards de dollars de DTS des pays riches qui consentent, bien entendu, pour atteindre, pour pouvoir autoriser l'accompagnement des pays africains. Ceci a déjà été fixé au sommet de Paris. Il est important qu'une partie significative de ces droits de tirage spéciaux aux côtés du Fonds monétaire puisse être réalloué à la banque via la Banque africaine de développement, la Banque continentale, compte tenu de son rôle habituel dans le financement du développement, pour soutenir nos efforts de relance par des investissements de qualité qui stimulent une croissance inclusive et durable. En outre, afin d'élargir nos possibilités de financement de grands projets de développement, le moment est venu de modifier l'accord portant création du Fonds africain pour le développement, le FAD, ce qui nous permettra d'accéder au marché des capitaux et de pouvoir lever 33 milliards de dollars comme effet de levier en complément de ces fonds propres, aujourd'hui à 25 milliards de dollars. Plus de ressources pour le FAD lui donne
plus de capacités de financement pour nos pays. En conséquence, j'appelle nos partenaires à engager avec nous le travail de modernisation du Fonds africain de développement, à l'image d'autres institutions similaires, d'autant plus que son statut est resté quasiment inchangé depuis sa création en 1972. En votre nom, chers collègues, j'ai aussi la ferme intention de porter haut et fort notre message pour des partenariats rénovés, plus justes et plus équitables. Plus de 60 ans après ses premières indépendances, l'Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en main. Notre continent ne saurait être la chasse gardée des uns contre les autres. Nous sommes ouverts à tous les partenariats, sans exclusion ni exclusivité, pourvu qu'ils soient mutuellement bénéfiques et respectueux de nos priorités de développement et de nos choix de société. Dans cet esprit, je salue les excellents résultats du Forum sur la coopération sino-africaine de novembre 2021 et du sommet Turquie-Afrique de décembre dernier. Je suis convaincu que nos rendez-vous dans 10 jours avec l'Union européenne connaîtront les mêmes succès compte tenu de la préparation de ce rendez-vous, tout comme les partenariats avec la Corée, la Russie, le Japon, le monde arabe et certainement les États-Unis d'Amérique, que tous ces partenariats s'inscriront dans la même dynamique d'un partenariat rénové, gagnant-gagnant et qui respecte nos choix de vie, nos choix de société et nos choix de développement. Un autre défi nous interpelle, celui de la transition énergétique, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique, dont l'Afrique est partie prenante. En marge de la COP26 de Glasgow, des pays développés ont unilatéralement pris la décision de mettre fin au financement extérieur d'énergie fossile, même propre comme le gaz, alors que certains parmi eux continuent d'utiliser des sources plus polluantes comme le charbon et le fioul. Au moment où, avec les importantes découvertes de ces dernières années, le gaz ouvre pour l'Afrique de réelles perspectives d'accès universel à l'électricité et de soutien à l'industrialisation du continent. Arrêter dans ces conditions le financement de la filière gazière ou des énergies fossiles pour l'Afrique porterait gravement atteinte à nos efforts de développement économique et social. C'est pourquoi, en restant engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée, il est tout à fait légitime que nos pays réclament une transition énergétique juste et équitable. Ensemble, mobilisons-nous pour la réussite de la COP27 que notre frère le président Abdel Fattah al-Sissi va accueillir. Chers collègues, mesdames et messieurs, les défis que voilà, nous les relèverons en consacrant plus de temps à nos débats sur les questions vitales pour nos pays, avec des méthodes de travail rénovées et rationalisées, dans l'esprit de la réforme institutionnelle que nous avons menée sous la conduite dynamique du président Paul Kagame. L'impératif de résultat nous presse de mettre en œuvre nos réformes pour améliorer les performances de l'Union, y compris par le renforcement de ses capacités financières. Je pense à la répartition du travail entre l'Union
les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, à la réforme des organes judiciaires et quasi-judiciaires, à l'opérationnalisation du Fonds pour la paix et de la force africaine en attente, ainsi qu'à une meilleure articulation des agences. L'Afrique que nous voulons, c'est aussi celle qui recouvre l'intégralité de son patrimoine culturel. La restitution de notre patrimoine spolié restera au cœur de notre agenda parce qu'il fait partie intégrante de notre identité civilisationnelle. C'est ce qui nous relie à notre passé et forme le viatique que nous devons léguer aux générations futures. L'Afrique que nous voulons bâtir ne peut faire l'impasse sur son héritage culturel. Le temps ne saurait effacer notre mémoire collective. Le poids de l'histoire et les pesanteurs du présent ne saurait non plus inhiber notre volonté de déconstruire les préjugés et les déterminismes qui entravent la marche de notre continent vers le progrès. Nous disons oui au rendez-vous du donner et du recevoir par le dialogue fécond des cultures et des civilisations, mais non à l'injonction civilisationnelle qui nous dicterait nos choix et nos comportements. Dans l'esprit que voilà, je ne ménagerai aucun effort dans la défense des intérêts de notre continent, avec le soutien des membres du bureau et le vôtre, chers collègues. Ainsi, et ensemble, nous pourrons apporter une nouvelle pierre à l'édifice continental de nos rêves. Une Afrique en paix, plus libre, plus unie, plus solidaire. Une Afrique debout et en marche vers plus de progrès et de prospérité. Vive l'Afrique! Vive l'Union africaine, je vous remercie de votre attention. Chers collègues, avant de poursuivre nos travaux, je voudrais rappeler qu'en raison de l'engagement du président Tshisekedi dans la promotion de la masculinité positive, je propose que le président Félix-Antoine Tshisekedi soit désigné champion de l'Union africaine contre les violences faites aux femmes et aux filles. Avec votre compréhension. Je voudrais à présent inviter les membres du bureau à donner leurs impressions. En attendant la désignation du premier vice-président, je voudrais inviter le président de la République du Niger, M. Bazoum, à faire son appréciation. Il sera suivi de la Zambie, du Malawi, du Cabo-Verde, de Sao Tomé et Principe et des Seychelles. Monsieur le Président, la République du Niger, vous avez la parole. Il s'agit de collègues nouvellement élus comme membres du bureau et qui participent pour la première fois à ce niveau. Ah oui, autant pour moi. Il s'agit
autant pour moi, c'est un collègue des chefs d'État, des présidents élus, président de la République du Niger, le président de la République de Zambie, le président du Malawi, et les présidents du Cap-Vert, de Sao Tomé et de Seychelles. La tradition veut que je prenne la parole devant l'Assemblée. Monsieur Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État, chefs de gouvernement, Excellences, Messieurs les anciens chefs d'État, Excellences, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout vous saluer et vous remercier de m'accueillir aujourd'hui dans ce cadre prestigieux de la conférence des chefs d'État dans la salle Nelson Mandela, que j'ai plaisir à retrouver pour me ressourcer aux valeurs de fraternité, de solidarité et d'engagement panafricain incarné par cette grande figure, Nelson Mandela, dont je salue la mémoire et le combat exemplaire. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue la présence des anciens chefs d'État africains, dont le président Issoufou Mahamadou, celui-là même qui, au lendemain de son élection à la tête du Niger en 2011, affirmait ici même son attachement à la Charte africaine de la démocratie, des élections de la bonne gouvernance et son engagement à respecter la Constitution nigérienne en s'en tenant à la légalité républicaine. Il a tenu parole et pour la première fois au Niger, un président démocratiquement élu a passé le témoin à un autre président choisi par le peuple. Le 2 avril dernier, j'ai ainsi prêté serment et je me suis solennellement engagé à continuer l'œuvre de construction nationale dans le respect des règles et principes démocratiques. Je me suis également engagé dans mon discours d'investiture à renforcer la coopération bilatérale avec tous les pays amis et à affirmer la présence du Niger sur la scène multilatérale, singulièrement dans le combat de construction de l'Afrique que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je voudrais vous assurer que je veillerai tout au long de mon mandat dans la création des partenariats et des énergies continentales et régionales pour une Afrique plus unie et mieux intégrée. Je saisis l'occasion de cette 35e session ordinaire de la Conférence de l'Union pour exhorter mes pairs à une mobilisation soutenue dans le combat contre le terrorisme et tous les facteurs de violence qui ont cours dans notre continent. Mesdames et Messieurs, je voudrais me féliciter des avancées réalisées par notre continent, notamment avec la mise en place de la ZLECAF. Cet instrument doit nous servir à développer le commerce entre nos pays et mettre fin à cette situation inadmissible relevée par la Banque africaine de développement, consistant dans le fait que les échanges intra-africains représentent seulement 16% de notre commerce extérieur. Pour cela, nous devons continuer les discussions techniques, mais aussi poursuivre la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures PIDA, de la Convention de Yamoussoukro sur le transport aérien en Afrique, ainsi que de l'adoption rapide
d'un système harmonisé des paiements et des échanges financiers. Venant d'un pays du Sahel, confronté aux impacts des changements climatiques, à l'insécurité alimentaire, à la désertification, aux inondations, je ne peux terminer mon propos sans appeler au respect des engagements des pays gros émetteurs de gaz à effet de serre souscrits à Paris, Marrakech et Glasgow. J'exprime enfin ma bonne appréciation du travail que réalise le président de la Commission, M. Moussa Faki Mahamat. Il dirige en effet notre commission avec compétence et loyauté, qui reçoivent ici mes encouragements et à travers lui l'ensemble de son équipe. Je voudrais féliciter le président Félix Tshisekedi pour le travail qu'il a accompli à la tête de notre organisation pendant une année et souhaiter plein succès au président Macky Sall que nous venons de placer à la tête de notre union. Vive l'Union africaine, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger. Je voudrais également signaler que nous avons d'autres chefs d'État qui ont été réélus et pour lesquels, au nom de du sommet, je voudrais adresser nos félicitations. Il s'agit du Président Yoweri Museveni de l'Ouganda, du Président Patrice Talon du Bénin, du président Denis Sassou Nguesso du Congo, du président Adama Barrow de Gambie et du président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. Maintenant, je vais donner la parole au président Hakainde Hichilema de la République de Zambie. Monsieur le président, vous avez la parole. Pour la suite, j'invite nos collègues à intervenir depuis leur position pour nous permettre de gagner du temps. Monsieur le Président de Zambie, vous avez la parole. Thank you very much, Your Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal and Chairperson of the African Union, Your Excellency President Félix Tshisekedi, President of the DRC and outgoing Chairman of the African Union, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Republic and Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, heads of states and governments that are present here today, Your Excellency, the Secretary General of the United Nations, Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Chairperson, 2021 was a year during which Zambia, our country, lost its founding father, Dr. Kenneth David Kaunda, and the people of Zambia honored his legacy of peace, indeed unity, by going to the elections, the polls, and ushered in a new government in the same year, our government. Chairperson, we welcome the theme for the 2022 meeting, which aligns with our own administration's key priorities, I mean development priorities, which is increasing the contribution of agriculture to economic growth. Africa, Chairman, Chairperson, is sufficiently endowed
to produce food that should be more than enough to satisfy the continent's nutrition, food security needs, and with increased value addition, it has the unmistakable potential to lift millions of our fellow Africans out of poverty. A problem we've been grappling with for years and years. It has to come to an end. Poverty makes us feel less human, and we should fight it with all the vigor. Chairperson, for our continent to achieve its objectives of economic growth, poverty reduction, and improving the lives of our people, we must be firmly committed to continental peace, security, and stability. What's going on around our continent is concerning many of us, and it's an issue all of us must be addressing with strength, with vigor. It would be true to say, in my own words, Chairperson, that instability anywhere is a threat to stability everywhere. That is a view we hold very, very strongly, and I shall repeat that held view. Instability anywhere is a threat to stability everywhere. Chairperson, we have a unique opportunity to be the generation of Africans and leaders that will actualize economic success with integration and change the African narrative once and for all. We must consider unacceptable the narrative of war, the narrative of instability, corruption, and poverty that has characterized our continent for far too long. This is unacceptable. It must not continue. We must change it, and we have the capacity to change this definition of our continent. It is time to embrace a new paradigm. Let us be anchored by trade, investment, of course, partnerships where we need this. Where there is peace and stability on our continent is the narrative we want. Where there is rule of law and respected by all of us in leadership as a starting point, we cannot expect our citizens to respect the rule of law when we, the leaders, have no iota of any respect for the rule of law. And that leads us into negative vices that have plagued our continent for far too long. We have to bring it to an end. We have the capacity to do that. Let us embrace the aspirations of the youth who desire skills, who desire jobs, business opportunities, and a chance to be heard, a chance to be involved, not once, but all the time. That is very important to us. Let us ensure that the resources of our continent have value added in them and never leave our shores in their raw form, as has become a traditional ceremony for years and years. This is unacceptable. It generates us less value than we could if we value added our materials. And we are tired. We must be tired of talking about Africa's potential for years and years. We must actualize that potential. Chairperson, as I conclude, I am pleased to inform you, Your Excellencies, that Zambia is ready to host the 2022 Fourth Mid-Year Coordination in July in Lusaka, and we look forward to welcome all of you to our beautiful country. Chairperson, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I thank you for your kind attention. God bless you all. Merci beaucoup, Monsieur le Président Akende Chilema de la République de Zambie, pour votre communication. Chers collègues, je voudrais, dans le chapitre de félicitations, en votre nom, féliciter notre collègue, le docteur Abiy Ahmed, d'Éthiopie, qui a été brillamment réélu. Et donc, je voudrais vous dire toutes mes félicitations, docteur Abiy Ahmed. À présent, j'ai le plaisir de donner la parole au président José María Neves de la République de Cabo Verde. Je l'aurais dit.
Excellencies, Sr. Macky Sall, Presidente da República do Senegal e Presidente em exercício da União Africana, Srs. Chefes de Estado, Vossas Majestades, Srs. Chefes de Governo e demais representantes dos Estados-membros, Sr. Presidente da Comissão Africana, minhas senhoras e meus senhores, caros irmãos, saúdo-vos em nome do povo de Cabo Verde e em meu próprio e expresso a enorme honra que é para mim participar pela primeira vez na qualidade de Presidente da República de Cabo Verde nesta magna Assembleia. Agradeço a Sua Excelência o Primeiro-Ministro Abiy Ahmed, ao governo e ao povo da Etiópia, pelos esforços despendidos no sentido de tornar possível a realização presencial desta cimeira, num contexto ainda fortemente marcado pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, bem como pela forma calorosa e fraterna como a representação cabo-verdiana foi acolhida e tem vindo a ser tratada nesta bela cidade de Addis Abeba. Agradeço e felicito Sua Excelência o Presidente da República Democrática do Congo, Sr. Félix Tshisekedi, pela exemplar liderança e orientação das atividades da União Africana durante o ano difícil de 2021. Endereço as minhas mais vivas felicitações à Sua Excelência o Presidente da República do Senegal, Sr. Macky Sall, pela assunção da presidência pro tempore dessa nossa organização, augurando-lhe os maiores sucessos na condução da União Africana, mormente na aceleração do processo de integração do nosso continente. A humanidade atravessa a maior das ameaças no decurso do último século. A Covid-19 tem provocado elevados custos para todas as nações, particularmente as africanas. Esta crise pode revelar-se uma oportunidade para a África fazer uma reflexão profunda e posicionar-se perante esses desafios e outros que, de certo, estarão a caminho. A África tem conhecimento, tem talento e recursos suficientes para produzir vacinas e outros medicamentos e, assim, não ficar dependente das contingências atuais e novamente vulnerável quando surgirem novas pandemias. Assim, felicito a África do Sul pelo lançamento da primeira vacina em África e espero que oportunamente outros países africanos também lancem a sua vacina. A África dificilmente conseguirá suprir a enorme lacuna de financiamento para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Horizonte 2030 e a Agenda 2063 da União Africana, somente com as receitas estatais e os níveis atuais de ajuda ao desenvolvimento. Parece-nos ser urgente repensar o modelo de financiamento do desenvolvimento para a África, orientado para a concretização das aspirações destas importantes agendas. Se por um lado a situação apela ao aprofundamento da expansão das bases fiscais, a fim de aumentar a capacidade para financiar políticas públicas com recursos próprios, por outro, implica a modernização dos mecanismos de financiamento da economia pelo setor privado nacional e internacional, bem como uma forte luta contra os fluxos financeiros ilícitos. Não podendo a África sozinha ter meios suficientes para financiar as medidas de resposta e recuperação da crise económica, pandémica e climática, haverá necessidade de se assegurar financiamento complementar através de outras formas e fontes de financiamento externo, nomeadamente o investimento direto estrangeiro, a cooperação internacional,
a assistência financeira externa apropriada e o perdão ou reconversão da dívida. Manifesto a minha preocupação pelas constantes ameaças à paz, segurança e estabilidade no nosso continente, mormente na região oeste africana e do Sahel. Estou a falar concretamente do terrorismo e da subversão da ordem constitucional instituída através de golpes de Estado que têm minado o continente. Endereço toda a solidariedade às vítimas do terrorismo, designadamente no Burkina Faso, Mali, Níger, norte da Nigéria e Moçambique, e reafirmo o mais veemente repúdio a todo e qualquer ato terrorista, bem como de subversão da ordem constitucional, como as que ocorreram no Sudão, Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso e a recente tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. É preciso reforçar a capacidade africana de prevenção e gestão de conflitos e apostar fortemente na diplomacia preventiva. Temos ainda de poder tornar mais efetivas as decisões. Nesse âmbito, a criação de um sistema de governança multinível, com uma adequada divisão de trabalho entre a União Africana, as organizações regionais e os Estados-membros, e com responsabilidades partilhadas, será um grande passo para realizarmos a Agenda 2063 e a África que queremos. Acredito que a África dispõe de recursos, talentos e imaginações para ser um dos mais importantes atores políticos e económicos deste século XXI. Cabo Verde, no quadro das suas especificidades enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento, estará sempre presente. Bem-ajam, muito obrigado pela vossa atenção. Je vous remercie, Monsieur le Président José Maria Neves de la République de Cabo Verde. À présent, j'ai le plaisir de donner la parole au Président Carlos Villanova de São Tomé et Príncipe. Monsieur le Président, vous avez la parole. Alors, je vais, le président apparemment n'est pas sur place, je vais donner la parole au président Vavel Ramkalavan de Seychelles. Monsieur le président, vous avez la parole. Your Excellency, President Macky Sall, President of the African Union, Excellencies, Heads of State and Government, Ladies and Gentlemen, it is a privilege and a pleasure to address this AU Assembly for the very first time since being elected by the Sichelwa people as their President in October 2020. From the onset, I would like to reaffirm my personal commitment and that of my country to the values, principles, and ethos of the African Union. These very same values that we commonly share will shape the direction of our continent's agenda to reach our goal of attaining the Africa we want. I thank our host, the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, for the hospitality extended to the Seychelles delegation. I would like to thank our outgoing chair, His Excellency President Felix Tshisekedi, for his leadership and his achievements in what has been a very difficult year for all of us. I would also like to congratulate His Excellency President Macky Sall, our incoming President. You have our full support in implementing this year's theme, which is motivated by the emerging
socio-economic dynamics that have impacted heavily on our continent owing to the destructive effects of the COVID-19 pandemic. As the pandemic stretches into its third year, the global health crisis and its associated economic uncertainties have proved to be persistent and continue to pose a challenge to all of us. As long as Africa remains deprived of vaccines, the restrictions on our economic activities will certainly continue to affect our economic relief efforts. The disparity and inequality in accessing vaccines is not acceptable. It is an injustice, and it is morally wrong to accept that in February 2022, only 10% of the population of Africa have been fully vaccinated. We are faced with difficult choices, not least developing our own capacities to manufacture vaccines in Africa. In this regard, I wish to commend the research and development community from South Africa, Egypt, Rwanda, Senegal, and Mauritius, to name a few, for their forward-thinking approach to manufacture vaccines domestically. The supply chain disruptions during this pandemic have proved just how risky the dependency on importation of critical medical supplies, amongst other commodities, can be. Excellencies, ladies and gentlemen, peace, security, and good governance are undoubtedly the essential foundations that create enabling environments for progress and socio-economic development on our continent. Good governance facilitates economic growth, which in turn leads to the much-needed wealth creation to alleviate poverty and improve human development. Those essential foundations, those pillars of the rule of law, of democracy and human rights that shape our presence and determine our future, are under serious threat. They are being undermined by conflict, strife, insurgencies, and terrorist activities on our continent. They constitute an existential threat to us all. Not only must they be resolutely condemned, but they must, with equal vigor and determination, be combated and eliminated. I must therefore commend His Excellency President Ramaphosa for his undeterred and unwavering commitment towards the vision of a continent that is free from conflict. Let us collectively work towards silencing the guns once and for all. The climate crisis remains the biggest long-term threat facing our planet. The commitments taken in Glasgow are still not enough to achieve the 1.5 degree goal. All evidence points to the fact that small island developing states are particularly at risk from exposure to multiple and compound climate-related risks and with increasing global warming. Recent advances in research reveal greater impacts of sea level rise on coastal populations than originally estimated. With populations, agricultural lands, and infrastructure tending to be concentrated along the coastal zones, any rise in sea level will have significant and profound effects on our livelihood, our way of life, and indeed, our very existence. We, the islanders, contribute less than 1% of global GHG emissions. Yet, if the present situation endures, we will suffer disproportionately from the damaging impacts of climate change, with some of our islands disappearing. Seeds are victims. We refuse to pay the consequences for the irresponsible acts of others. Excellencies, ladies and gentlemen, it is certainly not too late for all of us to act on the risks we face and for us to pursue an innovative, sincere, and inclusive transition that protects humanity. More than ever, I am convinced that the African Union has the political will and commitment to lead by example. I thank you.
Je remercie Monsieur le Président Ram Kalavan de Seychelles pour votre message. À présent, je donne la parole au Président de la République de Malawi, Monsieur Lazarus Chakwera. Monsieur le Président, vous avez la parole. Your Excellency, Mr. Macky Sall, Chairperson of the African Union and President of the Republic of Senegal. Your Excellency, Mr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo, outgoing Chair of the African Union. Your Excellency's heads of state and government, Your Excellency, Mr. Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen, as this is my first visit to this historic city since I became President of the Republic of Malawi, let me first express my sincere gratitude to the government and the people of Ethiopia for being such wonderful hosts. Your service to Africa in hosting this long-awaited assembly is both a restoration and a reminder of the mutual hospitality we have all been craving for during the socially